Comment allez-vous les amis? Oui, allez-vous avec un T majuscule? Bien, j'espère. Oui, un petit live comme ça, surprise, parce que c'est comme ça. Et puis j'en profite pour faire la chronique de Gunbird. Oui, Gunbird, ce shmup du début des années 2000, fin 90, ouais, c'est ça, 96 je crois, et qui avait fait pas mal plaisir lors de sa sortie, parce que, en particulier, la version Dreamcast était fabuleuse. Et du coup, c'est très très agréable de pouvoir retourner officiellement dedans, puisqu'il n'avait jamais été réédité. Problème, il est réédité par une boîte qui fait ça quand même pas mal par-dessus l'épaule, quoi. Et c'est un poil dommage. Oui, c'est la même boîte qui nous avait fait la conversion des Strikers 1945. Et si vous avez vu ma chronique de Strikers 1945 2 version PC, j'ai pas été très tendre. Et j'ai un peu peur, j'ai un peu l'appréhension en allant dans ce Gunbird, vu que c'est la même boîte qui s'en est occupée, et si le traitement est similaire, ce qui ne m'étonnerait pas, ça risque pas d'être un chef-d'œuvre en fait niveau conversion. On a vu quand même beaucoup mieux avec des gens qui s'engageaient beaucoup plus pour faire des conversions, d'une part chiadées qui respectent l'original, et d'autre part bah, qui ont des petits plus pas désagréables la plupart du temps. Gunbird, version PC, officielle, on y va. On va jeter un petit œil dans les options. Donc toujours les options classiques, on peut changer pour passer en mode tate si on a des écrans qui pivotent. Ça peut être pratique pour certains. Je vais baisser le retour, c'est certain aussi. On a des screens d'écran, des filtres d'écran qui sont pas vraiment top. Hein. Donc par défaut, je crois que c'est le smoothing qui est activé. C'est des petites options là qui sont pas géniales vu qu'elles sont pas super efficaces. Sauf la rotation d'écran. Petit manuel, on y va, ça vous fera plaisir. Donc quelques modes dont le score attaque, mais bon pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse, nous on va aller dans le jeu et se friter la gueule. Alors tir classique. Tir. Bombe. Tir. Bombe. Oui, on a deux boutons au cas où on en rate un. Et on a un tir spécial. Si avec ça vous comprenez pas comment on joue, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Alors pourquoi retourner dans Gunbird et attendre beaucoup de ce jeu? Tout simplement parce qu'à l'époque, oui, il était vachement chouette. Il y avait une partie graphique déjà qui était super rigolote. Le chara-design était très très amusant, et les méchants, en fait, c'est les méchants les plus sympas qu'on ait pu croiser dans un jeu, quoi. Ils sont bêtes, ils sont méchants, et en fait, ils sont pas vraiment méchants, quoi. C'est le truc classique qu'on a dans les dessins animés, c'est assez génial. Mais plutôt que d'en parler, on va aller voir. Gunbirdo, c'est parti. Alors moi, il y a toujours un truc qui me choque dans les adaptations de cet éditeur. C'est sa façon d'intégrer par-dessus le jeu qu'il a purement pris bêtement, limite, on se demande si c'est pas un ému qui tourne derrière, de foutre des polices de caractère super lissées. Donc on voit directement ce qui a été rajouté par rapport à ce qui est d'origine, et c'est un peu beaucoup choquant pour les puristes, quoi. On va prendre Kiki, hein, la petite sorcière, sur son balai. Comment ça, c'est pas Kiki? On s'en fout de qui c'est. Je crois qu'elle a un nom qui va vous dire quelque chose. Réglage du jeu, on va laisser par défaut. Et on va aller voir de plus près ce Gunbird avec Marion, qui est adorable. Vous pouvez choisir des vaisseaux qui ont différentes particularités, différents tirs, et qui vont amener les niveaux bah, dans différents ordres aussi. Faut le savoir. Banzai. Bon, au début, c'est rude, on a un petit piou-piou. Alors, l'idée, c'est de pas le paumer pour qu'il vienne gros. Et de vite récupérer des bonus pour pas en chier trop. Ça rime, c'est beau. Ouais, je sais. J'ai besoin d'un talent pour la rime chez Monsieur K. Je la récupère avant qu'ils se barrent. Si on les récupère pas, au bout d'un moment, ils se font la paire. Des petits bonus en pièces à ramasser au sol. Et voilà, vous avez tout compris du jeu. Alors, il n'est pas extrêmement compliqué. Sauf sur son final, qui est un petit peu violent. Donc c'est un shmup qui est parfait pour les casus. Oh, je me suis fait avoir parce que je me rappelais plus de la taille de la hitbox, et c'est ça qui a des conséquences. J'ai plus qu'un des bonus, bordel.
Alors, on a assez de bonus, on a ces petits tirs auto-guidés qui sont vachement pratiques pour vous faciliter la life. Hein. Regardez-moi cette méchante, super méchante frimeuse qui s'appelle Trump. Oui, rien que pour ça, ça vaut le coup de rejouer à Game Bird. Parce qu'on va foutre la pâtée à Trump. Alors, cette version comporte les mêmes défauts que le Strikers. C'est propre, mais c'est pas super optimisé du coup. On sent que les mecs en sont pas maîtrisés l'assembleur vraiment quoi. Oui alors un petit trick. Toujours vous mettre dans l'axe du bonus que vous venez de déverrouiller quand vous venez de flinguer le boss, puisque votre Kiki elle va foncer tout droit. Oui, je l'appelle Kiki, non, ouais. Elle va foncer tout droit et si vous n'êtes pas dans l'axe, elle prendra pas le bonus, elle va l'esquiver. Vous allez être vénère quoi. Alors, faut que je me rappelle que la hitbox c'est une bonne taille. Hein. Souvent je me fais avoir d'un shmup à l'autre, et vous savez que j'en change souvent le titre. Et du coup, des fois, je me dis ça passe, et en fait, non, ça ne passe pas du tout, quoi. Et le problème de Gunbird, bah, c'est un problème qui est récurrent dans pas mal de shmup. C'est chaque fois que vous crevez, vous repartez à poil avec un pistolet à bouchon. Et si au début du premier niveau, c'est pas dramatique, je vous garantis que quand vous arrivez sur l'avant-dernier ou le dernier niveau, il est hors de question de paumer l'équipement, quoi. Parce que rien que le temps de remonter l'équipement, ça va être douloureux, long, pénible. Et plein de bombes à gaspiller dont vous aurez salement besoin après pour vous farcir les boss. Mais comme on le voit, ouais, le jeu est très classique. Hein. Et c'est ça qui fait son charme en fait. On leur demande pas plus. Il fait le job. Ah, quelle andouille. Et là, je repars avec mon pistolet à bouchon et ça va barder quand même. Avant de choper un bonus, je crois que ce train va faire... va me faire l'enfer, quoi. Le train de l'enfer, ouais, c'est ça. Sorti de naturel ça. Alors le problème c'est que bien souvent quand vous vous retrouvez avec le principe du pistolet à bouchon, c'est que rien que pour aller récupérer vos bonus en grappe, vous avez des gens qui tirent, vous êtes obligé de massacrer une bombe pour rien. Genre là si je récupérais ça, la sécurité voudrait que je bombe quoi. Et je vais attendre que ça se calme un peu là. Ah, je vous avais dit, elle trace tout droit, l'idiote, quand le boss est mort. Un bonus dans quoi? Un bonus dans le vent? Donc, du coup, ces séries d'adaptations de cet éditeur-là, je les trouve pas vraiment géniales. J'ai du mal à m'enthousiasmer. Je suis content de revenir sur ces titres, parce qu'ils sont très bons. Franchement, c'est du service minimum. Les mecs ont pas rebossé ça comme des passionnés. Ils ont rebossé ça comme des fonctionnaires qui traitent la paperasse en espérant que l'heure de sortie du bureau se rapproche. C'est un peu dommage parce que c'est des titres qui méritent vachement mieux. Le Gunbird 1 était bien, le Gunbird 2 est génial quoi. Et si nous le massacrons de la même manière en le convertissant de manière bête et méchante. Vous savez très bien sur quoi je vais jouer comme version. Oui, la même que vous connaissez depuis des dizaines d'années, qui fonctionne très bien. Et c'est le genre de truc que j'encourage pas, parce que si on peut payer la licence d'un produit, ben c'est bien quand même de supporter, faire voir qu'on apprécie et donner envie aux éditeurs justement de ressortir davantage de titres. Elle me saoule cette tourelle là.
Faut que je fasse gaffe, j'ai plus de bombes. Ça va bien se passer. Ça s'est pas très bien passé pour lui par contre. Alors ça serait bien, je pourrais récupérer une petite bombe. Alors vous me direz, pour l'instant le jeu est relativement casu, et c'est pas faux. Mais attendez voir dans la fin. Alors on la verra pas ce soir, parce que c'est pas le but que je vous fasse voir en entier. Et je vous promets qu'à la fin, vous êtes surpris quand même, parce qu'il y a un cran de difficulté qui arrive d'un seul coup dans le jeu. Et là vous avez mal, vous avez très très mal, quoi. Vous vous dites, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et à chaque fois que vous perdez votre armement, vous n'êtes pas content, quoi. Donc il y a des moments où faut pas hésiter à bomber, juste pour pas crever et garder cet équipement au moins jusqu'à la fin du niveau. Et être un minimum habillé pour présenter ses salutations au boss de service. Ah putain, j'ai failli me prendre. À être bien équipé, et si je crève, je vais vraiment faire la gueule, quoi. Parce que la fin du niveau va devenir terrible. Regardez-moi, c'est super bad, quoi. Ils ont l'air trop cool, en fait. Ah, ma faute. Je voulais pas bomber et je me retrouve à poil comme un con, quoi. On va continuer, je crois qu'il nous fait redémarrer au début du niveau, on va voir ça. Eh oui, allez, boules. Alors avec mon piou-piou-piou, j'ai plus qu'à bien appliquer pour récupérer un max de bonus. Et être bien en forme pour le boss de fin de niveau. Mais à récupérer les bonus et se rearmer comme il faut, rien que ça, ça va être déjà ultra long et chaud chaud. C'est vraiment le seul reproche de cette catégorie de cheveux qu'on peut faire. Pour le reste, bah, y a un pixel work qui est fabuleux. J'aurais dû en profiter d'ailleurs pour passer dans les options et changer de setting pour faire voir le jeu sans anti-aliasing par défaut. Il est pas vraiment plus moche, hein. Alors leur effet anti-aliasing, c'est rien qu'un flou qui a pas de super intérêt. En plus, il y a un délai sur le pad apparemment. Ces jeux sont super mal optimisés, quoi. C'est hallucinant. Alors pour l'info, même si j'encode avec une résolution un petit peu de barré. Je suis en QHD. Le truc tourne sur un Core i9 avec une 2080. Et très honnêtement, je vais faire le test après en background. Je vais faire le test et vous verrez. Ouais, je vais le faire devant vous. Ah non, j'ai pas les émus installés sur cette machine. Mais je suis sûr qu'il tourne mieux en émulateur, quoi. Et qu'il est pas plus moche. Alors, zéro bombe au compteur, j'ai un petit piou-piou-piou, et je me tape le boss, est-ce que je suis malheureux? Oh putain que oui. Voilà, vous entendez? J'ai plus une seule bombe. Et il va falloir que je passe dans ce merdier, là. C'est pas possible. C'est pas possible, moi je dis. Alors, il va falloir que je joue un petit peu au salopard. Je voudrais bien le bonus, les gars, là, parce que vous, il vous servira pas, moi, vous. Et je peux pas tant que le robot est pas sorti, bordel! Bon, ça m'a saoulé sévère. Oh, va te faire! Bon, un truc dans le genre. Gunbird, est-ce que c'est validé? Oui, toujours, le jeu est validé. Mais cette version PC, non, je peux pas. Je suis désolé. Non. Non, 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 non. Les gars, quand vous convertissez un jeu, c'est notamment une référence, parce que Gunbird, c'est quand même un très très bon chemin. Je sais pas, métiser autre chose que du service minimum, c'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut un truc qui nous éclate. Et là, franchement, le jeu... Je vous l'ai dit, je vais relancer une partie sous ému, quoi. Et je pense que je m'y amuserai davantage. Il est là, le problème. Donc ça pouvait être vendu à petit prix. Ça justifie pas un travail bâclé pour moi.
Donc désolé Gunburdo, et surtout désolé Zero Div. Ta copie, tu la prends et tu la remènes, parce que moi, elle ne m'intéresse pas vraiment. See you next time, je vais ressortir la Dreamcast, et au moins là, je vais bien jouer à Gunburd dans des vraies bonnes conditions. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, et j'y vais.